Salut, c'est votre service. Sachez que mon père va regarder le live en plus. Alors, attendez. J'ai préparé un bon verre de lait. Je veux pas assister à ça. Salut Teddy, ça va? Faut que je fasse attention parce que j'ai pas envie. J'ai pas envie de toucher à main nue et après de me frotter les yeux et d'avoir du piment dans les yeux, vous voyez ce que je veux dire? Regardez. C'est mal la taille du piment. Il est beau, hein? Ah, ça, il est beau, hein? Ah. Je voulais pas le toucher à main nue, je l'attrape à main nue. Donc, vous voyez, la débilité à son paroxysme. Ouais, je vais prendre en photo si je retourne mon téléphone. Oui, j'adore la bouffe épicée. Hein, ah, c'est l'heure du birriel. Ta mère. Alors. Hop. Aïe, aïe, aïe. Oh la tête, je suis dégueulasse. Bon, c'est pas grave, la flemme. C'est l'heure de ta mère, oui. En live. En live. Caritatif, il est l'heure de manger le piment. Hop. Les gens ils ont retweeté. Alors les gens ils ont vu ça, ils ont retweeté, hein. Merde, j'ai pas pris la photo. Hop. Ah bah direct. J'allais le voir, qui c'est qui a retweeté. Ok, je vous vois, hein. Je vous vois, hein. J'ai vos noms. Allez. Alors attention. Ça n'a pas plus d'odeur que ça en vrai. Aïe aïe aïe, j'espère qu'il y aura des gros dons après, hein. Salut à Rizzi. J'espère qu'il y aura des dons à la suite parce que je vous jure. Ouais, bon nap, hein, ouais, ouais, merci, hein. Il est bon. Pour l'instant ça va. On dirait un poivron. Attendez. En vrai, premier degré, il est vraiment bon. Je recroque, hein. C'est vraiment un piment entier, on m'a dit que ça piquait vraiment beaucoup. Mais je suis un peu déçue. Je suis un peu déçue. Ça se mange les graines à l'intérieur? Et vous savez quand même que je tremble actuellement parce que j'avais vraiment peur de le manger. Je tremble depuis tout à l'heure.
Je mâche. Ah, ça y est. C'est ça. Là, ça commence là. Oh, ça commence. Il est vraiment bon, mais par contre. Oh. Ah, ça y est, ça commence à. Ah, ça y est, là, je le sens. En vrai, ça va. Ça pique, mais. Je m'attendais à pire, mais j'ai pas encore fini, hein. Oh. Ah, ça commence. Ah, j'ai la langue qui brûle là. J'adore le lait. Oh. Ah, je le sens passer là. Je m'attendais à pire, mais je le sens bien passer là. Ah, c'est la langue, en fait, j'ai la langue qui brûle. Tu te pensais aux pauvres toilettes. Salut, Tmar. Est-ce que je sais jamais comment. Je dois prononcer comment ton pseudo, j'arrive jamais à le dire. Est-ce que je dois dire Tmar ou Tmar? Non, je t'appelle QR, hein. Tmar. Salut, j'espère que ça va. Ouais, j'ai du lait. Un bon verre de lait. Ah, attendez. Oh, j'ai la gorge en feu. Oh, j'ai la gorge en feu. Oh, je pourrais pas le finir. Je pourrais pas le finir. Pas le finir. Ah, ça brûle. Ah, c'est la gorge là. Ah. Oh, je souffre, je souffre. Je vais me reprendre du lait, je crois. Je vais me reprendre du lait. Je vais me reprendre du lait. En fait, ça soulage sur le moment, mais après, ça revient, ça recrame. Je reviens. Elle ne revient jamais. Je le finirai pas. C'est un short que j'ai acheté à Action. Mais après, il est bien et vu qu'il est un peu long, j'ai pas besoin de me cacher. Ah ouais, s'il vous plaît. Faites des dons là. Est-ce que ça crame encore ma langue là et ma gorge?
Oh. Wow. J'avoue, mystère. Mais je suis quand même contente qu'on ait passé le piment parce que je le fous à poêle, je peux pas le finir. Parce que, en fait, je voulais pas le jeter comme ça sans l'avoir. Et je sais pas si on l'aurait si on l'aurait cuisiné ou pas, donc. Ça crame encore, je vous jure que ça crame encore. Ça va mieux, mais. Ça va mieux, mais c'est pas ça encore. Heureusement que j'aime le pain de mie, hein, le lait. Oh. Ouais, ça va. Ça aide un peu, ouais. Ouais, en fait, ce qui apaise. En gros, faut pas boire d'eau parce que ça empire le truc. Et manger de la mie de pain ou boire du lait ou des trucs comme ça, ça apaise. Ça va mieux. Ça va mieux. Ah. Ah, ça va mieux d'un coup, hein. Je vais reprendre encore un peu de pain de mie, comme ça moi ça ira mieux. Je vais me débarrasser du verre. Et j'espère quand même qu'il y aura des dons parce que j'ai le nez qui coule en plus maintenant là. Je ne ferai pas ça tous les jours, hein. Et quand je vous dis que ça cramait, c'est vraiment la gorge là. J'avais la gorge en feu, hein. La langue cramée, mais le pire c'était vraiment j'avais la gorge tellement en feu. En fait, vous voyez cette sensation quand au collège on faisait le 3x500 ou des trucs comme ça, et que genre, à force de courir, au bout d'un moment t'as la gorge en feu, ben, c'est 10 fois pire. La sensation était 10 fois plus horrible. C'est vraiment. J'ai cru que je m'en remettrais pas, hein, vraiment. Je vais reprendre un peu de pain de mie, comme ça moi ça va encore un peu apaiser, mais j'ai la laine chaude, vraiment, c'est un truc de fou, quoi. J'ai cru que j'avais un problème dans mon titre. Je reviens. Faites des dons.
Aïe. Oh! C'est arrivé après la guerre, désolé, mais y a un clip. Salut Kurt Naga, Ferro en tout cas. C'est bon, voilà, le piment s'est passé, j'ai failli mourir, mais ça va. Je vais manger encore un peu de pain de mie. Mais y a un clip si tu veux. Voilà. Et j'avais la gorge en feu, c'est horrible. Oui, salut Sora, t'as raté le piment. Je le finis pas. Mort. C'est mort. Mais j'étais déçu au début, hein. Non, non. Je finirai pas, c'est mort. Au début, ça allait. En fait, j'étais déçue. J'étais en train de me dire, mais non, me dis pas qu'il pique pas quand même le piment. J'aurais été trop deg en fait. Je me suis dit, bon, c'est un peu dommage. Et en fait, c'est arrivé vraiment après quoi. Oh. Et merci du coup. Merci Mister et merci Elena. Mais moi j'aime bien la bouffe épicée en vrai, mais bon. Mais n'hésitez pas à faire des dons pour me féliciter de ce que j'ai fait parce que c'est, elle s'est vraiment arraché, je vous jure. Au début, j'étais en mode, oh, ça va, il pique pas, j'étais déçu, je me suis dit, on dirait vraiment du poivron, il est bon et tout, mais on dirait du poivron. Mais en fait, fallait que je mange vraiment, en fait, c'était plus au niveau des graines, en fait, que ça a commencé, enfin, plus je me rapprochais des graines et plus ça piquait. Et après, je suis arrivée, genre, au niveau gorge en feu, là. Ah oui, c'était totalement ça. C'est totalement ça. Je vais prendre tes clips. Je prends tes clips et je vais les mettre sur le Discord de l'event. Hop. Ça va mieux. Ça a mis du temps à passer, mais ça va mieux. Et apparemment, bon, mon père s'est bien foutu de ma gueule. Ça l'a bien fait rire. Apparemment, il m'a dit qu'il a failli s'étouffer de rire. Non, 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 je suis pas prête pour un. Non, jamais. Non, je l'ai fait, je l'ai fait. Ah, oh bah là, il a bien rigolé, hein. Ça m'a calé, hein. J'avais faim, maintenant j'ai plus faim.
Voilà. C'est un piment entier, je sais plus à combien c'est. Là, sur l'échelle. D'accord. Alors attends. Qui est échelle de Scoville. Il est entre 100 000 et 325 000. Ah ouais, c'est pour ça. En fait, le bout, il est en mode neutre et tout, et puis après, voilà. Il est situé à quoi Ouais. Entre 5 000 et 325 000, c'est quand même, voilà, quoi. Pour tout vous dire, c'est plus fort que le piment de Cayenne. À la base, je voulais un piment de Cayenne, mais j'ai pas trouvé. Aïe, aïe, aïe. Une fois, j'ai juste mis trop de moutarde dans ma vinaigrette. J'étais en train de pleurer, transpirer. Mais en vrai, la moutarde, c'est traître. Hein. La moutarde, c'est traître, je trouve. Parce que autant tu peux te dire, ça va, c'est de la moutarde, ça pique, mais voilà. Mais si t'en prends trop d'un coup, en vrai, même moi, je trouve que ça, tu le sens passer, en fait. Le piment de Cayenne, il est entre... franchement, les gars. Oh. Le piment de Cayenne... D'accord, ah oui, je comprends, ouais. Le piment de Cayenne est entre 5 000... Et entre 5 000 et 15 000. Entre 5 000 et 15 000. Le piment antillais est à 100 000. Entre 5 000 et 325 000. Donc le piment de Cayenne est ardent. Et le piment antillais, il est explosif. Et genre, je vous jure que explosif, je peux vous assurer que oui, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir une explosion là dans ma gorge là. Le explosif, je l'ai bien ressenti en fait. Et ouais, la moutarde c'est bon, donc du coup tu te dis ouais, je vais en reprendre et tout, mais en vrai c'est traître. Ah là là. Ok. Mouillon explosion. Ça me rappelle l'émission Hot Ones, des mecs qui se font interviewer en mangeant des sauces pimentées extra fortes. Non merci, c'est bon, je veux pas faire ça. Je sais pas ce que ça vaut le wasabi, je sais pas si c'est... Ah ouais, je sais vraiment pas ce que ça vaut. Il y a quand même quelqu'un sur Twitter qui m'a dit que le piment que j'ai mangé, il est doux. Hein.
Donc je sais pas si c'est parce qu'il connaît pas ou qu'il veut faire, il veut faire le mec qui s'y connaît ou le bonhomme, ou si juste il confond avec, il confond pas avec un autre piment parce que c'est clairement pas doux, hein, vraiment je vous jure. Non. Je vous assure que c'est vraiment tout sauf doux. Oh, aïe aïe aïe. Le piment d'Espelette, ça va, c'est doux, tu vois. Mais là, celui que j'ai mangé, non, 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 il est pas doux du tout. Peut-être qu'il mange énormément de piment, donc celui que tu manges, il est en mode OSEF. Ouais, enfin bon, quand même. Il est jugé explosif, quand même. Dans quelle cagnotte je mets les 10 euros?